Dieu. Tu prends le franc, tu te parles, c'est le franc là qui te convainc. Qui donne l'argent? À qui appartient l'or et la chance à l'éternel? Et toi, ton Isaac te dit, les enfants, est-ce que tu sais que les enfants vont aller en vacances, et il sait que les temps sont difficiles. Qui ne connaît pas tant difficile? C'est à Dieu. Quand on veut faire quelque chose à Dieu, on fait. Tu peux m'aller piquer un compte à côté de Dieu. En tout cas, le prophète lui-même, ceux qui sont dans le moyen, moi je sais ce qu'il fait. C'est pour recevoir cette étoile. Isaac, Dieu ne veut pas te bénir dans le miracle financier, dans le miracle d'avoir l'argent, tant qu'il ne t'a pas donné. Dieu ne te donnera pas. Alors, c'est quand Abraham a pris Isaac, il partait sur le mont Moria. Alléluia. Que Isaac a parlé. Ton offrant va te dire, mais dans les problèmes. On nous a dit aujourd'hui qu'on a besoin de 20 toitures. Voilà. Chacun regarde son argent. Et voilà. C'est ça. Pourtant, Dieu est là. La voiture. On doit offrir. Amen. Dieu a besoin de ça. Dieu a dit Abraham, donne-moi Isaac. Dieu a besoin de ton Isaac. Mon Isaac, je veux la foi. Sur le mont Moria. Dieu a besoin de ça. Mais d'abord, et ton offrande a commencé à te parler. Les derniers collègues, ils ont pas pu le dire. Mon homme, c'est qui j'ai maintenant? Il ne reste rien. J'ai fait une carrière. Je n'ai rien. La Bible dit l'unique que tu as. Il a dit à Abraham, l'unique que tu as. Dieu, le seul là. Donne-moi. Moi, je viens avec. C'est ce que tu as besoin. Mais d'abord, il sait que tu n'as rien. Regarde la toiture. On a besoin. Dieu a besoin de ça. C'est quand Abraham a donné que Dieu a agi puissamment dans la vie d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait des choses. Le haut qui le front d'Isaac. Isaac est devenu un bélier. Le front de bélier. Vous savez que le bélier, c'est la force. Mais à venir un bras, un vol et la tête. Il va donner la force financière. Le onien de Abraham. Dans la tête. La puissance financière. Dans la tête. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas avec Israël. Israël comprend le million. On ne peut pas jouer avec Israël. Mais avant qu'Israël soit Israël, il y a une alliance. Il est amené à nous dire. Ça a coûté Abraham. Et quand Abraham a amené Isaac, il y avait beaucoup de choses dans le cœur. Mais il savait que c'est Dieu qui partait donner. Amen. Et Dieu l'a béni puissamment. Qu'est-ce qu'il doit faire pour Dieu pour que Dieu te bénisse? Nous l'avons grâce. Le jour où Salomon a fait l'offrande à Dieu, Dieu a changé sa destinée. Il a fait de lui le multimilliardaire. N'est-ce pas? Dans le cadre, c'est tout. Une fraction de seconde. Ne dois bien, Dieu peut faire de toi un milliardaire. Le haut du monde. Je vais montrer quelque chose dans la Bible. Vous devez aimer même pas là. Allons dans Juges le chapitre. Amenez Juges, vous frappez. Il y a des choses que vous ne connaissez pas là. Quand je regarde vos offrandes, je ris. Je ne parle pas à Dieu. Je dis, mais vous-même, vous savez Dieu, le chapitre 6 d'abord. Rapprochez vers la lumière. Écoutez, hein. Je vais vous donner un médicament d'argent. Comment faire pour avoir l'argent? J'ai dit, il y a tout ça dans la vie. Et la Bible, il y a un médicament d'antibase dans la vie. Amen. Médicament même pour disparaître ça dans la vie. Je voulais donner ça cette semaine, mais attends l'autre retrait. Amen. Moi, quand j'ai prié, j'ai prié, j'ai fait, je suis invisible. Amen. Juste le chapitre 14. Le chapitre 6, plutôt, le verset 14. À partir du verset 14. Écoutez très bien. Juste, on t'en va. Touchez ceux qui dorment. Il y a un an, dans la main.
Nous dormons, les sorciers vont manger. Ils ont faim. L'Éternel se tourna vers lui et dit. L'Éternel se tourna vers lui et dit, écoutez très bien. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Jésus lui dit. Ah, mon Seigneur, oui. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Très bien. Jésus lui dit, si je trouve grâce à tes yeux, si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Pour montrer que c'est toi qui me parle. Pour montrer que c'est toi qui me parle. Je t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Il dit que j'apporte mon offrande, que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Comment Dieu attend offrande? Il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. 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 Et comme l'année l'histoire, effectivement, tu as entendu le front de Gédéon. Et quand Gédéon a fini le front, Dieu a commencé à bénir Gédéon. Parce que Gédéon va combattre avec les Madianites. Écoutez très bien, ouvrez les yeux, les oreilles plutôt. Touche quelqu'un à côté. Écoutez très bien. Je vais vous montrer les petits secrets. Moi, il dit j'aime l'argent. Il a dit non, mais pas la foi. Amen, non, Wakala. Tu n'aimes pas, tu te cherches. Il y a quelque chose que tu n'aimes pas, pas chercher. Il y a un roi, il veut pas. Là, on aime qu'on cherche. C'est la vie au bout, c'est ça. Mais j'aime l'homme plus que l'argent. Amen, on va coller plus. J'aime pas l'argent. C'est où tu as bâti? Direct à l'enfer. Mais sorcier. Quand tu as l'argent, ta manière de marcher, et celui qui a l'argent, on n'est pas la même manière de marcher. Lui marche, il ne peut pas se faire. Quand tu as l'argent, tu manges bien. Sien. Il y a un problème, il y a une solution pour ça. C'est une cause de la même manière de caouiser. Quoi, les gens ils parlent sur les combien? Les Benjamin sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa au combat des enfants d'Israël. Je vous conseille l'histoire. Quels sont allés pour la conquête des terres? Il y avait les 12 tribus d'Israël. Amen. Ils sont allés à Canaan. Ils ont possédé Canaan. Chaque tribu devait prendre une portion de terre. Amen. Arrivé là, il y a la tribu de Benjamin qui s'est éloignée de la présence de Dieu. Ils ont décidé de ne plus suivre Dieu dans sa vision et d'adorer les idoles. Donc, les 11 tribus ont déclaré la guerre contre Benjamin. Donc les 11 ont déclaré Israël, et puis Benjamin, accepte cette tribu, il fallait déclarer la guerre à Benjamin pour ramener Benjamin dans la présence de Dieu. Le tournement que l'on fit en ce jour, les Benjamins sortit de la guerre. Est-ce que je suis un peu? Amen. Je vais vous montrer pourquoi, quand on prophétise sur vous, et puis ce n'a pas d'accomplissement. Allons-y. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamins sortit des villes fut de 26 000 hommes, tirant l'épée sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tous ces peuples, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer.
On fit aussi le dénombrement des... Les hommes disaient... Vous êtes là, qui a touché à des terrains, vous dites que écoute, regardez les gens du Dôme. Les hommes disaient, nous avons pris ceux de Benjamin, et nous en trouva 400 000 tirant l'épée, tous gens de guerre. Et les enfants d'Israël se levèrent monter à Bethel. Regardez, les enfants d'Israël se levèrent monter à Bethel. Bethel qui veut dire maison de Dieu, là où Dieu réside. Et consulter Dieu. Soit les fait quoi? Consulter Dieu. C'est-à-dire demander la vie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Nous sommes 11 tribus. Allons-y. Consultez Dieu en disant, qui de vous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? Entre les 11 tribus, quelle est la tribu qui doit aller combattre Benjamin? Nous sommes 11 tribus. Nous sommes allés consulter Dieu à Bethel. Demandez la vie de Dieu entre les 11 tribus. Quelle est la tribu qui doit aller combattre Benjamin? Allons-y. L'Éternel répondit. On dit Dieu a répondu aussitôt. Judas montera le premier. Judas montera le premier. Dès le matin. Vous savez qu'est-ce que veut dire Judas? C'est le lion et c'est la louange à Dieu. Amen. Louange à Dieu. Amen. Amen. On est la tribu de Judas. Allons-y. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et se rangèrent en bataille contre eux à Gibéa. Écoutez très bien. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa. Les fils de Benjamin se sont revenus. Et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Il y a eu 22 000 hommes d'Israël morts. Le peuple. 22 000 hommes d'Israël. Ceux qui sont allés consulter l'Éternel. Moi, il y a 22 000 morts. Moi, je vais attendre que quoi discuter. Comment vous trouvez ça, vous? Est-ce qu'il y a? Moi, je vais attendre. Il y a des cas. Moi, je vais attendre. Moi, je vais attendre. Hein? Il y a des ennemis à Dieu. Je vais pas discuter. Écoute très bien. Toi, tu t'élèves, hein? Tu dis à Dieu. Déjà, la bonne là. Moi. Amen. Je m'en vais faire la guerre. Est-ce que je dois gagner? Amen, Esia. Dieu dit, d'accord, il faut prendre Judas. Judas, normalement, il faut prendre en guerre. C'est blessé, Goto. Il t'a parlé. On se dit, tu n'as pas parti. On t'a dit, tu n'as pas parti. Tu es prêt. Et puis tu perds le combat. Tu es mort, Asia. Moi, d'accord, il va faire le Goto, mort, Asia. Et il s'est pris. Est-ce que ça s'arrête? Je vois que vous ne connaissez pas beaucoup de choses. Amen. Amen. C'est une question de révélation. Il est où? Bonne année. Allons-y. Amen. À propos de Dieu veut te parler, puis il va avoir échec. Amen. On ne suit pas la révélation de faire descendre les choses qu'il a dit. La position liée à ta vie. Le problème, vous avez besoin de vous prier. Je ne voulais pas avoir la complétude. Je tiens les gars, il y a le même. Après, moi, allons-y. Je vais vous montrer les choses. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montaient et ils pleuraient devant l'Éternel. Ils sont montés jusqu'au soir. Ils ont pleuré devant Israël jusqu'au soir. Ils consultaient l'Éternel en disant. Ils ont consulté Dieu. Dois-je m'avancer encore pour combattre? La première fois, ils sont partis. Il y a eu un problème. Est-ce qu'on doit partir encore? Allons-y. Dois-je encore m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? Les frères. L'Éternel répondit. L'Éternel répondit. Montez contre lui. Montez contre lui. Allez, les gars, les enfants d'Israël avançaient contre les fils de Benjamin. Le second jour. Ils sont partis. Et en ce même jour, les Benjamins sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes d'Israël. 18 000 hommes d'Israël. Durant les morts. Premier, 26, 22, 22, 22, 18 000. Comment vous trouvez ça? Dieu qui parle. Il y a un chèque. Dieu parle. Encore un chèque.
Tout l'enfant d'Israël et tout le peuple. Il faut bien le connaître, Dieu là. Si tu le connais, il y a des choses que tu vas posséder. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montaient et vinrent à Bethel. Ils sont montés tous à Bethel. Il pleurait et restait là. Toute la journée, il était au soir. Il gênait en ce jour jusqu'au soir. Dieu s'en fout de ton maou. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices devant l'Éternel. Ils offrirent des holocaustes et d'actions de grâce devant l'Éternel. Le langage va changer. Et les enfants d'Israël consultaient l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance des dieux. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et il dit, dois-je monter, dois-je marcher encore? Est-ce qu'il est encore parti encore? Et dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les libérerai entre vos mains. Amen. Demain je les libérerai entre vos mains. Quand Gédéon a attendu, Dieu dit va. Il dit je te connais. Si je n'ai pas fait mon offrande, tu vas me laisser. Attends que j'envoie mon offrande. Dieu a attendu l'offrande de Gédéon. Quand Gédéon a fait son offrande, Dieu l'a béni. Il est parti. Toi, on te dit Jida. J'ai dit que louange. Tu as gagné. Voici, ton offrande. Tu fais pas ça devant guerre. Ne connais pas les mecs. Tu as perdu la guerre. Il vient ce qu'il doit. Tu dis va. Oui, la voix, il est là. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu as déjà la victoire. Quand ils ont compris, ils ont donné la chose de Dieu. Maintenant, j'ai ma chose. Allez-y, quatre demain, je les ai. Le verset 34. Vous amusez Dieu. Tant que tu n'as pas mangé pour lui, tu ne manges pas pour toi. Quelqu'un n'a pas dit amen. 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 Et il va me prêter à manger. Mange pas. Allons-y. 10 000 hommes choisis. Tu ne pas comme ça, ils vont faire le gnam avant. Il faut donner d'abord au génie, il va manger d'abord. 10 000 hommes choisis, surtout Israël, arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamin ne se doutaient pas du désert qu'ils allaient éprouver. L'Éternel partit Benjamin devant Israël. L'Éternel partit, regardez, la victoire a changé. Carrément les gars. Verset 34. Juste 20. Juste 20, le verset 34. La victoire change. On dit l'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Israël. Et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin. Amen. Tirant l'épée. C'est bien de vous tout le monde. J'ai besoin des gens qui vont bâtir le Dieu. Amen. Amen. J'ai besoin des gens ces mêmes qui vont bâtir le Dieu. Les gens sur qui Dieu peut compter. À moment, la vous pouvez avancer son œuvre. Venez. Aïe. Je te l'épargne là. C'est à vos offrandes d'enveloppe. Enveloppe en délivrée. Avancer le Dieu. Dans le cas de la semaine. Même d'abord, il est venu. Vous vous donnez combien? Je vais vous donner. Moi, j'ai demandé. C'était l'offrande avait. Non, même pas. C'est pas vrai.